Bonjour et bonjour à toutes, c'est Minato et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin je dirais un nouveau let's play. Donc ce let's play, je vous en ai parlé dans mes différentes vidéos. Donc c'est un jeu qui est sorti le 12 septembre, bah, il y a une semaine tout pile. Donc ce jeu, c'est, il faut que je trouve, bah, c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Master Révolution. Donc bah c'est parti, commençons le jeu. Donc j'avais fait une première vidéo mais elle était ratée, donc je l'ai arrêtée. J'avais pas mis les voix en japonaise, tout ça. Ouais, les voix elles étaient pas égalisées, enfin bref, c'était une vidéo ratée. Donc bah il y a, je vais vous laisser quelques secondes pour le générique d'entrée. À tout de suite. Ah non. Vérification des coffrets, donc là c'est normal. Donc je vous retrouve tout de suite. Et voilà le générique que je trouve super joli. Comme bah, l'écran titre, on retrouve une musique douce comme dans tous les Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm que j'ai pu avoir. Donc nous allons commencer maintenant, c'est parti. Donc normalement là les voix elles sont, on va voir dans les options d'avoir si les réglages que j'ai fait auparavant sont bien faits pour ne pas avoir de problème. C'est bon. C'est bon. Retour. Tournoi des ninjas, combat en ligne, espace ninja. Donc nous allons faire ça. Mais bon, je vais refaire l'histoire parce que je l'avais raté. En espérant que ça me remette pas où j'en étais. Nouvelle partie. Donc ça c'est un guide qui nous servira pour les prochaines vidéos. La fondation de l'Akatsuki, et je vous retrouve juste après le petit animé. À tout de suite les amis. これらは因果関係であり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。 ついに宿願なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨が降れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の宿願がなるよ。お前たちに協力してもらう。そういう約束だったな。分かっている。
具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの宿願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び覚悟、砂の抜け人で傀儡の天才誘い、そして最後の一人は俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ動け、我らの待望のため。このレベルでは大した金にならないな。むちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍び覚悟、お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。随分な物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。それもいいだろう。俺が勝ったらお前を暁に連れて行く。こいつ。Donc le combat va commencer. Pen contre Kakuzu, ça va. Donc on va commencer le combat. C'est parti. Ça commence déjà bien. Ok, tu utilises tous tes cœurs. C'est bon. Je augmente le truc au maximum. Voilà, encore une attaque.
A mon avis, celle-ci, elle va être plus fatale. Ah non. Pas encore fatale. Bon, ce combat, il a été rapide. Et voilà, même un immortel ne peut pas vaincre un dieu. Et un trophée en cadeau. Quel niveau nous sommes? Non, pas niveau, quel rang nous avons? Le rang A. Ok. Donc je vais vous retrouver juste après la cinématique pour dire qu'il nous rejoint. Donc on attend le serment. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. お前の負けだ。この力、一体。俺はこの世を正すかに。来い、悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。 お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。 素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいが。風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。 あなたの仕業だったのね。赤砂の誘い。なんだ、てめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁、聞いたことねえな。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。随分と上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考えれば。 仕事さえしてくれればあとは何をしてもおとがめはない。なるほど、悪い話じゃない。悪い話じゃないが、何をする気？会いに行くと自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。 さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしてやる。またか。さっきからなんだこの術は。 仕方ないだったら実力で連れていく。<笑>なかなか興味深いな。お前徹底的に調べてやる。
donc deuxième combat Conan contre Sasori. Donc ce combat, j'ai galéré dans la vidéo précédente, enfin, celle que je vous ai pas montré, vu qu'il utilise que le panthère pour se défendre, et il fait des attaques à distance et c'est chiant ça. Il a de la chance là. C'est bon. Désolé pour la petite absence, mais je vais un peu le son. Oula. Il faut l'attaquer de face, mais il faut faire attention à ne pas se faire prendre par ce tampon. Oula, ça va être chaud. Mais... allez. Ah dis donc, à mon avis, je vais perdre. Ils sont chiants ces personnages qui attaquent à distance. Et ouais, nous avons perdu, ça commence bien, ça commence à m'énerver, réessayer. Et comment il peut éviter ça? Attendez, on va voir les combos qu'elle peut faire. Bon, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de lui. C'est une bonne esquive. Putain, il peut dire merci à son pantin. Allez, active-toi. Donc, bah j'espère... ouais, je regarde un peu ce que c'est. Mais bon, j'ai perdu encore une fois. Ça va m'énerver. Mais il était immobilisé là. Arrêtez. Encore une fois, bah dis donc, il y a une bonne esquive ce... enfin. Allez, à mon avis, j'ai perdu encore une fois. C'est chiant à essayer. Pourquoi ça marche pas? C'est
intéressant est que tu sois bien dans la sphère de papier pour que ça marche. Donc vite. Ah c'est bon, il est rentré dedans, je ne sais pas, il a peut-être tout de monter vite au maxi. Encore une bonne esquive, je sais pas. Il a de la chance. Il a de la chance. Pour l'instant, j'ai l'avantage. Vite, il faut que je monte. Vite, encore une attaque et normalement là c'est bon. Allez, normalement c'est bon, normalement j'ai gagné là. Enfin, si tout se passe bien, normalement il n'y aura pas de problème pour terminer ce combat. Allez, dépêche-toi de monter avant qu'il ne t'attende. Hop, oula. Putain, il a de la chance là. Mais une chance incroyable. On a gagné avec du mal, mais on a gagné. Heureusement, moi je vous dis, ça commence à m'énerver. Donc, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye, les amis, et portez-vous bien. Ciao, ciao.